Bonjour, dans cette petite vidéo, je vais vous parler d'une prise de conscience que j'ai réalisée en lisant ce petit livre, un petit guide pour une alimentation consciente. Petit guide qui vient de Toulon, donc de Hamma. J'ai réalisé en lisant ce livre que on est conditionné, mais à un point qu'on n'imagine même pas. Parce que je savais depuis longtemps que la viande, c'était pas très bon pour la santé, mais j'avais pas réalisé à quel point c'est très mauvais de se nourrir de viande. Alors maintenant que je le sais, c'est beaucoup plus facile d'accepter ça. Premièrement, on a des intestins qui sont très longs, comme les herbivores, alors que les carnivores ont des intestins très très courts. Donc ça, c'est pour que la viande ne reste pas très longtemps dans l'organisme. Ensuite, ce qu'il faut savoir, ce que j'ai appris là-dedans, c'est que la viande, elle putréfie au bout de quelques jours. Elle devient verdâtre, grisâtre au bout de quelques jours. Donc pour qu'elle reste rouge comme ça, attrayante, etc., on y met plein de conservateurs à l'intérieur. Et sauf que les conservateurs sont cancérigènes. Donc en réalité, on est en train de s'empoisonner. Tout ça parce qu'on pense qu'il nous faut de la viande pour satisfaire à nos besoins en protéines, alors que c'est complètement faux. On a des besoins en protéines qui sont très faibles et qui peuvent être apportés par d'autres aliments. Il y a également autre chose qu'il faut savoir par rapport à la viande, qui est donc liée à l'élevage, c'est que si on arrêtait de faire tous ces élevages, etc., on pourrait éradiquer la faim dans le monde tout simplement. Parce que toutes ces surfaces qui sont cultivées en céréales, etc., pour nourrir le bétail, ça pourrait servir directement à nourrir la population. Donc quand on sait tout ça, bon, ça fait un peu froid dans le dos. Donc voilà, ça c'était très important que je vous dise ça. Petit guide pour une alimentation ayurvédique. Donc beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, fruits, légumes. Voilà, c'est très très bien fait. Voilà. À bientôt!